Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode, on est sur Manor Lord. Je vais faire une petite sauvegarde. Avant-guerre. Et on va retourner sur la carte et revendiquer par influence. Et ensuite, je pense qu'il faut que je lève mes troupes. Ennemi a été repéré. Ok, je vois, je vois. Alors ça là j'en ai pas, et eux ils sont de ce côté là. Je vais les faire se rassembler ici. J'ai gagné des ressources, je sais pas pourquoi. Ressources ajoutées à l'inventaire. C'est les soldats qui avaient ça sur eux peut-être. Ils pensent que je vais probablement perdre. Ah, y a pas mal de monde, c'est vrai. Ce qu'on peut faire, c'est recruter des mercenaires. Ah mince, y a pas de mercenaires disponibles. On peut espérer le mois prochain. En fait, est-ce que j'ai encore du monde? Un petit peu. Là, j'ai fait une ligne d'archer. Créer une nouvelle unité. Archer. Qu'est-ce que c'est que ce creux-creux? Je peux pas? Alors. Oh mince, c'est pas ce que je voulais faire. Juste arrêter de courir. Hop. Non, Oui, vous avez bien couru. Ça, j'ai vu. Non, non, pas quickly. Allez-y doucement. Faut pas que vous vous fatiguiez. On est en juin. J'aurais peut-être dû attendre la fin des récoltes. Oh, quoi qu'on a récolté 2 chances sur 3. Ennemis repérés. Oh oh. Des brigands. Bien, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont aller. Oh, il y a une autre armée ici. Il a recruté tous les mercenaires en fait. Peut-être pour ça qu'il n'y en a plus. On va charger la sauvegarde. Et on va regarder si je peux recruter les mercenaires avant lui. Ah! Et là, ça va être une autre histoire. Parce que maintenant, c'est moi qui ai les mercenaires avec moi. Où sont-ils? Est-ce qu'on peut les voir? Ils sont pas encore arrivés. On va les envoyer par là. Hop. Et vous, vous êtes où? C'est où ça? Ok, on va les envoyer par là. Ensuite, vous, on va vous former. Vous tous, sauf toi, parce que toi, t'as pas de soldats. Vous allez vous rallier ici. Que je peux pas faire de nouvelles unités, c'est pas très grave. Hop, c'est parti. Vous courez pas, s'il vous plaît. Pas la peine de vous fatiguer. Hop, hop, hop. Avec une clique gauche, c'est pour sortir. Et là, ça a un impact.
Alors, plus de chasseurs, s'il vous plaît. On va quasiment devoir récolter les deux en même temps, donc on va peut-être accélérer l'un des deux. Ah, quoi qu'on est qu'en juin, on va attendre un peu encore. Allez, marche. Oh mince, j'ai encore envoyé dans une mauvaise direction. L'unité ennemie a été repérée. Où ça? Ici, d'accord. On va utiliser les mercenaires, même si eux on peut les garder dans le même coin. Je pourrais d'ailleurs revendiquer ce terrain. Revendiqué par influence. Ah, pour l'instant il y a des unités ennemies, ok. Ah, ça c'est exclusivement des archers. Restez là. Hop, ça va trop vite pour moi. Allez, coupez-leur la route. Vous pouvez tirer comme ça ou pas? Vite, courez. Non, pas vigilance provective. Et tire eux. On va décrocher une armée pour choper eux. Non, 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 qu'est-ce qu'il me fait là? Oh là là! Tirez-leur dessus et vous, tapez-les. Et vous, allez, venez aider. Et toi, alors ça va. Pourquoi c'est mes troupes qui sont en rouge là? Et eux, ils ont bougé tellement longtemps. Allez, on court un peu. Revenez, revenez, revenez. Allez, tirez-leur dans le dos. Allez-y, qu'est-ce qui vous prend de pas tirer? Tac tac tac, très bien. Vous savez où tirer vous ou pas? Ça allait. Quand même ces brigands. Yeah, on les a quasiment eu. Ça quand même fait bien la mocher. Ah. On est juste à côté, on en profite. Non, hop, mettez-vous là. Et restez chez moi. Je peux les payer encore plein de fois. Maintenant que j'ai augmenté ma richesse personnelle. Le gant a été jeté. Lutte pour Echo. Thank you.
La guerre a été déclarée. Ah, c'est quand je suis rentré dans son terrain que ça a commencé à jouer. Défaite probable, me dit-il. Le champ de bataille doit être là. Ok. Oh, il y a du monde. Faut qu'on se batte là, précisément. J'ai du mal à voir s'il y a du relief. Ouais, j'ai l'impression que là, c'est plus haut. Non, 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 pas quickly. Non, non, justement. Nouvelle missive. Je peux vous faire une offre des plus intéressantes si vous renoncez à vos revendications. On va voir. Très au sud. Alors, où est-ce qu'on va placer nos soldats? Infanterie légère. Perte récente. Ils sont encore un peu fatigués. Donc le terrain est incliné. Peut-être qu'il vaudrait mieux se mettre le plus haut possible. La bataille commence. Ils sont loin encore, ils sont dans les bois. Donc mes archers, je vais les placer là. On va mettre les régiments d'abord. Lui il est abîmé. Ça va pas m'aider d'avoir affronté les bandits juste avant. Mais bon. J'aurais dû embaucher tous les brigands. Je pense que le dernier. Tous les mercenaires. Je pense que le dernier c'est lui qui l'a eu. Peut-être juste les deux groupes de 18 brigands, mais. J'aurais été plus serein avec plus de monde. Ah, et puis j'ai eux aussi, c'est vrai. Hop. Il avance. Doucement mais sûrement. Il va y avoir une grosse bataille là quand même. Hop, 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 c'est pas ce que je voulais faire. Restez là. Donc mon idée c'est que je veux mettre la vue dégagée pour 3 archers. En fait on va mettre tout le monde en défense. Ça commence. Avancez un peu si vous voulez. Non, ok, tirez. Très bien. Est-ce qu'il a d'autres unités encore? Oui, il a eux. Je pense qu'on va les encercler en venant se mettre dans leur dos. Ah, quoique. Changement de plan. Ça tient pour l'instant.
J'espère qu'on va réussir à faire tomber eux assez vite. Là ça va passer. Nos 5 soldats d'élite. Alors vous. Équilibré. Non, en avant. Hop, c'est parti. On a quasiment eu ceux qui nous embêtaient. Là ça se gagne. Là c'est équilibré. Hop hop hop. Non non, restez avec eux. Pas de course, vous vous allez aider de ce côté là. J'arrive à tirer. Il y a une unité qui a abandonné. Il y a des archers légers et des archers lourds, et moi j'ai des archers tout court. Alors, il nous fuit. Je les comprends. De ce côté-là, on a gagné. Alors, ça tombe bien, c'est des mercenaires qui sont quasiment morts. Mes troupes à moi, elles n'ont pas trop pris cher. Alors, les archers, ils encouragent, mais ils tirent plus. Tire encore. Super. T'es ennemi a été repéré. Ah, je l'avais vu. Pas d'inquiétude. Utilise les petits fantassins simples pour attaquer les archers en contournant. Ils s'en vont. Allez, on tire. Tac, 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 tac. Ah, ils reviennent. Mis en déroute. De ce côté là ça va mal finir pour eux. Ah, j'ai repayé les mercenaires, c'est pas grave. Ah, il y a encore une unité. Ils sont où, eux? C'est bon. Comment on a gagné? On l'a remporté. Maintenant, non, c'est encore 2000 d'influence pour réclamer un terrain. Ok. J'aurais peut-être dû les réclamer un par un. L'armée d'un autre suzerain a été repérée. Ouais, mais elle vient de disparaître. Mais bon. Alors, mes soldats à moi. On va les ramener ici puis les dissoudre. On les dissout là. Et les mercenaires. On les dissout. Eh bien, c'est passé. On n'a même pas eu trop de pertes. Ou on a eu beaucoup de pertes sur les mercenaires. J'ai quelques lanciers qui ont morflé, mais à part ça. J'ai réussi à protéger mes archers à moi. Non, je suis très satisfait. Les gens vont rentrer pour la moisson.
Et j'ai vraiment pas payé très cher, j'ai dû payer 300. C'est dans mes sous à moi, mais je vais bientôt les avoir également à nouveau. On n'a plus de problème de mécontent. Parce que la variété de nourriture a augmenté avec les œufs, les légumes et les baies. Bah, les baies sont revenues, ça c'est normal. La viande est un peu revenue. Les œufs et les légumes, j'espère que c'est mon augmentation d'il y a tout à l'heure que j'avais plus ou moins faite en hiver. C'est pour ça que ça n'est pas augmenté drastiquement rapidement. Et que ça va rester dans le temps. J'espère. Là on a du lin, là on a de l'orge qui pousse, là on a du blé que je vais pas tarder à collecter. On va forcer lui d'abord, il y a 97. J'ai pas besoin de plus de berger. On dirait pas. On a 100 maisons tout pile, sans hébergement. C'est le nombre de familles que cette région peut accueillir et j'en ai que moins de 80. Oh là là. Ça a l'air assez plein. Ah, il y a des maisons où il n'y a personne, personne. Je vois. Faudrait que j'ai une meilleure variété. Peut-être. On a un peu de bière à la taverne. Fini les améliorations. Je crois que je ne les avais pas lancées, les deux dernières qui manquaient. Faites-les moi d'abord si vous voulez bien. Les planches, on est bon. C'est toujours très très léger, hein. Malgré l'augmentation drastique du nombre de charpentiers. Non, ce sont pas des charpentiers, c'est des scieries. Alors, ça collecte, ça collecte. Il n'y a plus rien à faire ici. Stockage plein dans la scierie ? Donc il nous faut quelqu'un pour venir chercher les planches, j'imagine. Ah, on peut rechasser. J'ai l'impression qu'on gagne plus de temps d'argent dans cette région. Pourtant, on n'importe que du minerai. Tout le reste, ça devrait être bien. Et si on exporte le produit fini, il n'y a pas trop de raison que ça se passe mal. On exporte du fil, j'en ai tellement que je me dis que ça vaudrait sûrement la peine. Tant que ça ne demande pas de faire une route exprès pour...
exportation, vous m'en gardez 200, ce sera large. Si les teintures j'en ai en grosse quantité, bah, je peux faire plus de manteaux alors. Ah, faut que je monte de niveau avant de pouvoir lui choisir un truc. Cordonnerie. Ah bah cordonnerie. Ils font des bottes. On va les améliorer au niveau 3 aussi. C'est plutôt pas mal. Vêtements, on est qu'à 86%. Qui est-ce qui manque des vêtements? Il y a des gens qui en ont vraiment pas beaucoup. Alors que pourtant, des chaussures et des manteaux, on en a plein, plein, plein. On a plein de toiles, plein de fils, plein de cuir. Ça doit être une histoire de distance au marché là. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est mes soldats. Où est-ce que vous êtes vous? Vous êtes là à rentrer à la maison. Ça va pas aller super super vite les champs si je me contente de faire ça. De l'orge l'année prochaine. Et il est en train de labourer, très bien. Ça pousse, ça pousse. Ça a poussé. J'ai tendance à dire collectons maintenant. Et retirons du monde à cette ferme là où on n'a plus besoin de tant de monde. Et envoyons les là. Un tailleur, il veut plus d'espace sur son dans le marché. On revient à 90% de variété de nourriture, de combustible et de vêtements. Très bien. Les vêtements c'est assez stable. Le combustible on en a pour 3 mois seulement. Oh là là. Augmenter le nombre de boisiers. De boisilleurs. J'en ai construit un là. Ouais. Et les gens dans les entrepôts pour venir chercher les trucs. C'est où la nourriture pour atelier de tissage? Yeah! Niveau de colonie augmenté. Alors. Maintenant, la grande question c'est fertilisation. Fabricant d'armure avancée. Ou toutes les routes commerciales. J'ai envie de commencer par toutes les routes commerciales parce que je me rends compte qu'avec les mercenaires ça se passe plutôt bien. Ah, je viens de le dépenser le nouveau point de développement. Alors, exportation, si on dépasse les 200, on vend. La nourriture, t'es censé vendre du pain. Paris, on va bien la transformer en pain, pas de soucis. Fil, on en exporte. Le bois, pas actuellement. Alors, les lances. J'aimerais garder 100 en stock, ce 100 c'est déjà énorme. Les grands boucliers. Les casques. Je sais pas pourquoi il est sur 148 par défaut.
J'espère que c'est pas ce dont j'ai besoin pour mes armées. Je vais avoir à peu près. Bah, c'est peut-être que si en fait. Donc. Dans les boucliers, on va s'en garder 150. Les casques, 150. Les arcs, 100, ça devrait aller. Et les 11, 150. 150. Ok. Oh, les armures de plate, ça vaut super cher. Ah, il n'y a pas de famille libre. Hop, c'est fait. Là, ils collectent. C'est pas un peu tôt. C'est en septembre, donc ils s'en moquent, ils récoltent et puis c'est tout. Alors l'année prochaine, on fera du lin là-haut. J'ai l'impression que c'est ça, ils collectent parce que c'est la période et puis c'est tout. Ah, c'est malin. Il y a les paysans qui viennent faire un gros tas, les gens avec les buffles. Ils viennent choper le gros tas ou avec les chariots et qui l'emmènent là où il faut, soit dans la ferme, soit peut-être directement dans l'entrepôt. Et si on a toutes les ressources, oh, pas autant que je pensais. On a toujours des places libres. Manque de divertissement. Mais qu'est-ce que vous voulez que... Comment voulez-vous que je vous divertisse? C'est pas vraiment grand-chose d'exceptionnel. Ah, c'est la taverne qui fait du divertissement. Donc si, ce que vous voulez, c'est... une taverne. Est-ce qu'on a de la pierre? Oui, bah je peux peut-être faire une autre taverne. Plus proche des autres gens. Il y a encore eu plein de gens qui ont dit ouais, la taverne! Oh là là, quelle difficulté, tellement de couleurs et de textures. Du coup, eux, je sais pas trop si je les exploite. Ils ont un gisement de pierre abondant, ils ont des animaux sauvages et des arbustes rabais. En vrai, ce serait malin que je leur fasse un petit camp. Ah, je pourrais leur faire pas mal de ressources directement. Donc ce qu'on veut faire, on va avoir les classiques, un camp de bûcherons. On va commencer par la nourriture. On va dire ici. Voilà. Un boisier. Pas exactement où le mettre, peut-être là.
j'ai fait un truc qui va pas top. Hop, on va la refaire. Ensuite, un grenier, pour la nourriture, un entrepôt, pour les ressources. Oh! Un comptoir d'échange. Il permet d'échanger des biens entre cette région et une autre région sous votre contrôle. C'est ça que j'aurais dû faire. Tout simplement. On va en faire un ici du coup. J'ai plus de bûches? Plus du tout. Ok. Ben non, pas cueilleur. Bûcheron. Je sais pas s'il faut que je la mette sur la grande route ou pas. Dans le doute, on va l'y mettre. Il me semblait vaguement que j'avais déjà fait un truc comme ça. Donc une place de marché. Sachant que ça va partir, ça va partir. Ça va pas partir. Puis... Ah, je peux plus le laisser là, dommage. Là, ça passe, très bien. Aucun espace de marché. C'est bon. Là, on a la place pour mettre plein de monde. Je sais pas où est-ce que je le mets exactement au marché. Je pourrais aussi faire un marché long, faire un truc comme ça. Nickel. Hop, sensible. Pas assez de ressources, crotte. Alors je voulais qu'il me fasse des grandes maisons plutôt. Toujours pas. Oui, mais sans jardin, ça me tente moins. Ah. Je vais faire dans l'autre sens sinon. Hop. Hop. C'est pas des grandes maisons dans ce cas-là. Aussi se mettre comme ça. Pas assez de ressources, c'est pas grave parce qu'après je vais diminuer. C'est pas suffisant pour faire des grandes maisons, ça? Oh là là. Non plus? Oh là là. On va aller très très loin. C'est bon, et là on fera des champs derrière. Ils sont pas loin du marché. Les sensibles sont prioritaires. Enfin, d'abord on va dire le camp de bûcheron, et après les sensibles. Roule ma poule. Ma poule un peu plus vite que ça quand même. Et ben c'était une belle victoire militaire. Si ma région roule toute seule, je trouve ça pas mal.
J'aime bien avoir mon focus sur une région en particulier. Quand il y en a plusieurs, je m'en mêle vite les pinceaux, donc je switch de l'une à l'autre. Mais j'essaye de switch à des moments complètement d'un côté puis complètement de l'autre. Là, je suis satisfait parce qu'elle est autonome, cette région. On pourrait d'ailleurs augmenter encore la mine. Enfin, j'aimerais quand même bien qu'elle fasse une station de chargement. Hop. Vite, s'il vous plaît. Hop, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. J'ai vu des gens qui disaient que le mode rapide, le mode normal était vraiment trop lent. Le mode x4 était trop lent aussi. Et le mode x12 était trop rapide. Et il est vrai que parfois je trouve ça un peu lent en x4. Et en x12, ben, pour franchement faire des pauses assez souvent. Les gens mécontents. Quelle raison? Ils ont pas assez de nourriture variée. Ah, je suis désolé les gars, mais bon. On va aller chasser un peu. Alors, station de chargement. Partenaire d'échange. Prendre une mule. Donc je pense que mule, cheval et tout, ils ont tous un objectif différent. On veut échanger avec Walbrand. Hop 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 hop, qu'est-ce que... On veut échanger avec Walbrand. On envoie qu'est-ce qu'on envoie? Pour envoyer du pain. Je le vois pas. Il est là. On envoie du pain. On récupère du minerai de fer. Et on affecte une famille. Ratio d'échange 0,2. Par exemple, si vous échangez du fer 14 pièces contre des bûches, 7 pièces, le ratio d'échange sera x2. Ah, il faut que j'envoie 5 pains pour recevoir un minerai de fer, j'ai compris. Très bien. Il va me manquer. Ah si, j'ai fait un boisilleur. Hutte de cueilleur. Ah bah c'est construit. Cueillons, cueillons. Ouais. On va booster un peu moins le bois et un peu plus la nourriture pour l'instant. La cabane de chasseur, c'est fait aussi, donc on va répartir. Pour l'instant, on va pas mettre de boiseur. On va profiter des ressources qui sont présentes. Donc il me faut du bois pour faire les maisons, les agrandissements des maisons quand même. On va leur faire un potager. Hop. Y'a rien pour l'instant? Ok. Je sais pas si on voit des choses sur les étals. On va aller voir sur des étals où il y a vraiment quelque chose. Alors, le bois, oui. Le tanneur, oui.
Il y en a avec de la nourriture. Oui, là. Mais il est vide. Nourriture. On voit qu'ils sont vides en tout cas. Ah oui, on voit. Trop bien. Alors, ça m'aide pas tant avec la maison, mais il a du pain, des légumes. Pas sûr qu'on voit les œufs. Ah, c'est débarrassé du pain et des légumes. Non, du pain. Ok. Ah, on voit les baies. Je sais pas pourquoi il y a autant de nourriture là-bas et aussi peu là-bas. C'est pas du tout équilibré. Ah, on a des gens qui s'installent. On a bien vidé les baies déjà. On va réduire. J'avais un truc à construire, je sais plus ce que c'était. La station de chargement, je l'ai faite. Je sais pas ce qu'on pourrait exporter. De la viande peut-être. Faudrait que j'exporte de la pierre peut-être. Ah, je sais pas trop. Ils ont rien de très très intéressant à faire, ces gens-là. Je les ai installés parce que bon, il faut bien les installer, mais... Ah, ça va plus vite avec le chariot. Thème qui transporte les trucs un par un, et puis il y a lui qui arrive. 3. Il en a mis 3 dans son panier, et hop, les 6 étaient partis. Ah, ils ont peut-être mis 2 par 2, j'ai pas fait très gaffe. Sans logis, c'est grave les sans logis pour. Alors. Et risque de mourir de froid en hiver, d'accord. C'est pas encore la richesse, hein. Pourtant, on vend beaucoup de choses. On va arrêter d'acheter du minerai. Parce qu'on le fait venir. Et là-bas, je sais pas si on le vend encore ou pas. Oh, on a tellement de planches qu'on pourra en vendre. Exportation, on va en garder 100. On va arrêter d'exporter les baies. J'en ai plus beaucoup. Le minerai de fer, on va arrêter de le vendre. Ah, mais j'ai encore suffisamment d'influence, c'est top ça. Eh bien, on se retrouve bientôt au prochain épisode.